C'est gâté, hein? Burkina Faso, c'est gâté. Bitez le village! Bitez le village! C'est chier sur le terreau, chers camarades. Po. Oh, justement, il y a fait une vidéo dessus. Ah! Ouais. Il dit pas. Oh, justement, il y a fait une vidéo dessus. Il y a longtemps, il n'a pas fait vidéo dessus. Ouais. Il y a longtemps, je n'ai pas fait vidéo sur mes gars. Non. Ouais. C'est pas bon. Bipez le village. Bipez-moi le village, hein, camarade. Aïe. C'est gâté sur le terreau. Non. C'est gâté sur le terreau. Hein? Non, il reprend encore. Ouais. Bipez-moi le village du Burkina Faso, chers camarades. C'est gâté sur les terreaux. C'est poto. Ils sont en train de fuir. Ils laissent les motos et puis ils fuient à pied. Ah, ouais, là, ES monte en puissance. C'est gâté sur les terreaux, chers camarades. Ouais. Ah, c'est les drones qui parlent, les drones. Il y a les gens qui cherchent mon son là. Non, c'est un son secret. Le son ça là, il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir ça dans le monde entier. Voilà. Il n'y a même pas à vous montrer même qui m'a envoyé ça. On me l'a envoyé. Voilà, ça ne dure même pas même. Ça fait 50 et quelques secondes. Voilà, chers camarades. Chers camarades, peuple d'Afrique, ce qui se passe au Burkina Faso, c'est pas bon. Ouais. Les amis du capitaine Ibrahim Traoré, que j'ai nommé ici, l'armée du Burkina, et plus particulièrement, à leur rendant bien sûr un grand hommage, les VDP. Parce que moi-même, je suis un VDP. C'est volontairement que je me suis fait appeler le patriote. Je suis un volontaire pour la défense de la patrie. Et ma première patrie, c'est ce que vous voyez ici, c'est l'Afrique. Ça, c'est ma première patrie. Voilà, c'est ma première... Attends même, viens me caler quoi. Comme ça, ça va sortir dedans. Voilà, l'Afrique sort dedans. Voilà, comme ça, c'est mieux. C'est ma première patrie, chers camarades. Donc, moi-même, je suis un VDP. Je rends ici hommage aux volontaires pour la défense de la patrie, chers camarades. Je rends hommage à tous ces Burkinabés. Au péril de leur vie, au prix de leur vie, qui ont décidé, mettez le cœur, chers camarades, pomper le cœur d'après quelqu'un, framponner, tapoter, toucher partout. Un garçon, il touche partout. Un garçon là, il rentre partout. Pourquoi vous avez peur de toucher votre écran? C'est votre écran. Si tu as peur de toucher ton écran, c'est quoi tu vas toucher demain? C'est que tu n'es pas un garçon comme moi. Un garçon, ça, il faut. Oh, niawa, tout, faut tapoter partout là-bas, mon frère. Étoile, oh, les cœurs, oh, les pouces bleus, faut mélanger l'écran de ton téléphone, cher camarade. Parce qu'il y a de très bonnes nouvelles, cher camarade. Et l'autre gars, bienvenue ton soir, il va nous décortiquer la situation. La vidéo dure, hein, ça fait 7 minutes. Un long métrage que je vais vous présenter. Ah, au Burkina Faso, désormais, les pieds sont plus rapides que les motos. Est-ce que vous le savez? Les terreaux, là, ils ne fuient plus à une moto. Une moto est trop lent. Moto est trop lent. Ils prennent les pieds, ils courent comme ça. Ils sont en train de fuir les drones, mais ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas que c'est toujours avec succès. Quand nous on frappe là, c'est avec succès, chers camarades. Oh, niawa. Le capitaine a fait son discours au palais du peuple de Ouagadougou. Ce discours, toujours je l'écoute. Tous les jours, j'écoute le discours. Même ce matin, j'ai écouté encore. Parce que je veux. Et puis, ce qui me plaît avec lui, quand il parle, André, il lit sur un écran. André, il lit. Parce que tout est bien classé. Tout est bien. Les mots sont bien placés. Avec un français pas trop gros, mais pas trop faible aussi. Un français classique, bien posé. Le capitaine. Non, il baille. Il baille. C'est pourquoi les études sont très bonnes. Oui, allons-y à l'école. Les études là, ça fait réfléchir, ça fait bien passer. Ça fait que tu parles avec élégance.
On sait que c'est pas un homme, c'est pas un militaire comme ça qui est arrivé au CM2 ou bien qui a eu quelque chose, DPS et puis il est devenu commando. On sait qu'il est un niveau, je connais pas son niveau, hein. Peut-être après il fait les recherches dessus. Si vous connaissez son niveau, dites-moi son niveau. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est arrivé un peu quelque part dans les études. Il s'exprime très bien, chers camarades. Quand le capitaine a parlé, il a parlé avec son cœur. Quand tu parles avec ton cœur, ton peuple même est d'accord. Les gars, Babou Laurent, quand Babou Laurent prend la parole, tout le monde est content. Même quand il était président, même quand il n'était pas encore président, parce qu'il parlait avec son cœur. Vous comprenez, non? Le capitaine a parlé, chers camarades. Alors aujourd'hui, le 20, aujourd'hui le 20, ce qu'ils ont montré au terreau. Non, atteignez les 1000, pardonnez, atteignez les 1000. Non. Ah, c'est quand même l'AES. Si c'est Côte d'Ivoire, bon, on peut faire 400, 300. Mais l'AES, là, on doit monter. Pompez-moi le cœur. Aïe. Pompez-moi le cœur. Aïe. Pompez-moi le cœur. Aïe. On pompe le cœur. On pompe le cœur. Aïe. Maman. J'ai dit, on pompe le cœur, chers camarades. Les terreaux pensent qu'il y a affaire là, c'est amusement. Le capitaine dit, il n'y a pas d'élection. Tant que vous êtes sur le territoire, ils vont vous bamougou. Ils vont vous bro. Ils vont vous bro. Vous serez neutralisé, dronistifié tous les jours. Ah oui, il est mieux de déposer la calache si vous voulez vivre. Et puis ce que je ne comprends pas avec les terreaux, pourquoi vous fuyez? Vous n'avez pas dit que vous êtes préparé? Vous êtes prêt à déjà? Pourquoi vous mettez dedans quand vous entendez le bruit du drone? Quand le drone perd de l'altitude, parce que pour que le missile soit très fort, pour que ça framponne, souvent les drones là viennent un peu, ils quittent dans le nuage. Parce que les drones là sont dans les coins où on ne les voit pas. Drone là, ça vole très loin. Souvent ça rentre un peu dans le nuage façon là. Donc quand les terreaux font comme ça, ils ne voient rien. Même avec les jumelles, ils ne voient rien. Ils ne peuvent pas voir. Donc quand les drones repèrent les gens là, le drone descend un peu, ça sort un peu du ciel et puis ça descend. Donc ils attendent, vont. Et puis le missile, quand ça vient là, ça fait fou. Quand ils entendent le fou là, mon gars, la dépendance, ils sont en train de fuir de partout. Mais c'est tard, c'est trop tard, chers camarades. Ils sont dronistifiés avec succès. Bon, si je vais attendre les 1000, on va durer ici. Je ne sais pas pourquoi ça traîne un peu. Nous, vous êtes aux 700 et quelques. Je vais vous présenter le film, mon cher camarade. Le long métrage. On va regarder le film. Le film de guerre, chers camarades. Non, c'est un film. Non. Rambo. C'est un film, chers camarades. Partagez la vidéo. Alors, quelqu'un me dit que le capitaine Ibrahim Traoré, IBT, est diplômé en géologie. Voilà. Mais diplômé comment? C'est quoi? Il a quel diplôme? Voilà. Il est diplômé. Quels sont? Mais après, je peux voir ça sur Internet. Rien ne se cache. Voilà. Avec Internet, rien ne se cache. Vous êtes 800 personnes. Voilà. Bon, c'est pas grave. Après, vous allez atteindre les 1000 personnes. On doit suivre le film puisque la vidéo dure un peu. J'ai déjà pris 7 minutes de votre temps, chers camarades. Je suis fan du capitaine et de son équipe. Non! Je suis trop fan du capitaine et de son équipe. Je suis fan de son idéologie politique. Il n'est pas venu pour faire une politique pour s'enrichir. C'est pourquoi son nom va rester gravé dans les livres d'histoire le jour que Dieu va le rappeler. Et je suis sûr que ce n'est pas, dans moins de 80 ans. Que Dieu lui donne longue vie. Si les dramans Ouattara qui ont plus de 80 ans sont en vie, c'est lui qui doit partir vite. Pourquoi? Que Dieu lui donne longue vie, qu'il dirige le Burkina Faso à vie. Voilà. Le capitaine doit remporter le prix Nobel de la paix. Parce que s'il a gagné la guerre, c'est la paix qui vient automatiquement. Si tous les terreaux étaient neutralisés et que leur stock de terreaux là, ils ont un stock, il y a les gens qui les fournissent les hommes. Mais tôt ou tard, ça va finir. Ah oui, c'est pas toute l'Afrique qui va aller déjà là-bas. On ne sait pas c'est quel pays qui les fournit en hommes, à des hommes. Mais il y a des coins où on paye quand même. Toutes les dronifications, si on met ensemble là, mais c'est des milliers de terreaux qui ont été neutralisés. Des milliers et des milliers. Mais ils viennent toujours. Ils viennent toujours. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est vous qui êtes des êtres humains. Nous, c'est les missiles et puis les avions télécommandés, on prend. Donc, les pertes en vies humaines sont un peu minimes. Mais vous êtes des êtres humains. Si vous pensez que vous êtes... Venez seulement. Venez. Missiles, là, ça se fabrique quelque part aussi, non? Et les Burkinabés travaillent. Il y a plein qui sont ici aux États-Unis. Plein sont en France. Plein même sont au Burkina. Ils travaillent, ils sont payés par moi. Ils cotisent à hauteur de 1% par salarié, par fonctionnaire, pour payer les dronifications, pour acheter ça. Ils vont toujours acheter. Vous venez d'où? Vous venez seulement, on est dedans. Depuis 2022, on est dedans, non? On est déjà en 2024, non? Venez, on va traverser 2024 ensemble.
On va tomber en 2025. On est dedans. Oh, oh, oh. Pompez-moi le cœur, chers camarades. On est dedans. Hey, parce qu'on va s'arrêter. Chers camarades, vous êtes presque 1000. Atteignez les 1000 maintenant. Ah bon, vous êtes 1000? Alors, vous êtes 1000. Donc, on y va maintenant, chers camarades. Le film sera diffusé avec Bienvenue ton soir. Très important, hein, voilà. Toujours avec Bienvenue ton soir, voilà. On met ton ça. On dit, moi, je prononce mal. Avec Bienvenue ton ça, chers camarades. Dans la boucle du Mouroun, pour les échos de la lutte antiterroriste, oui. Les dernières nouvelles font état des actions du 10e bataillon d'intervention rapide. Oui. Sollicité sur le front, il était au contact des terroristes via les unités motorisées. Un combat qui s'est voulu frontal et de masse, comme nous le relate Bienvenue ton ça. Alors, ce jour, 20 février, dans le cadre des opérations dans la zone de la boucle du monde, les renseignements ont fait cas de préparation d'une embuscade. Mais regardez comment ils sont nombreux. Non, regardez comment ils sont nombreux. Qui leur donne des véhicules, mais puis des motos? Vous voyez les gros camions blindés là? Ils ont des véhicules, ils ont des motos. On dirait quand le capitaine a fait le discours là, ça a énervé les lobbies, ça a énervé les patrons. Ça a énervé les patrons, on les a équipés, on dit allez-y, allez-y les togas. Pendant que nous, on rafle les ressortissants, pendant qu'on arrête les ressortissants, vous allez-y les tégués. Donc les patrons ont commencé à rééquiper, mais c'est mal connaître. Le drone, il s'en fout de si c'est camion, si c'est moto, si c'est... Lui, il est en haut et puis il chie. Le drone là, c'est comme un oiseau. Il est en haut, il chie, tu es fâché, tu vas pleurer à terre là-bas, lui il est en haut là-bas. Depuis la drone-ification a commencé, vous avez entendu qu'ils ont descendu un drone? Ils n'ont pas ces gendarmes là. Est-ce que vous avez entendu qu'ils ont descendu un drone, qu'un drone est tombé? Si ils vont filmer pour mettre sur Internet, puisqu'il y a des pages. Il y a des pages qui font la publicité des terreaux. Donc s'ils ont abattu un drone là, vous allez voir, ils vont filmer comme ça. Ça sera comme si ça sera un trophée pour eux. Ils vont filmer pour mettre sur Internet pour dire on a descendu les drones. Voilà les drones. Depuis, aucun drone n'a été descendu. Ils sont très loin. Les drones là, ils sont dans les nuages très très loin. Sinon quand même, ils ont quand même des calibres qui peuvent toucher un hélicoptère. Ils ont ça. Les camions là, il y a des, je ne connais pas le nom là, mais il y a des armes qui font tout, 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 tout. Les terreaux ont ça. Vous voyez, non? Mais ce n'est pas capable de toucher un drone. Le drone, il est très loin. Quand il veut frapper là, il descend, il frappe et puis il monte. Donc c'est très difficile. Et puis, le territoire est contrôlé par les Burkinabés. Donc, vos patrons là, ils ne peuvent pas rentrer avec la logistique pour voir un peu où le drone est placé. Voilà. Il ne peut pas rentrer sur le territoire. Le territoire est quadrillé. C'est fini, c'est bouclé. Donc, on vous donne les armes là, quelque part, dans une brousse d'un pays voisin. Vous rentrez dans le pays et vous faites vos bêtises. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, c'est ça, chers camarades. Bon, je vais vous laisser regarder le film. Sinon, vraiment, je suis quand même. Je dis, mais qui leur donne tous ces véhicules là? Qui leur donne ça? C'est ça le vrai point. Sollicité sur le front, il était au contact des terroristes via les unités motorisées. Uh-huh. Un combat qui s'est voulu frontal et de masse, comme nous le relate Bienvenue dans ça. Allons, Bienvenue dans ça. Ce jour, 20 février, dans le cadre des opérations dans la zone de la boucle du monde, les renseignements ont fait cas de préparation d'une embuscade d'envergure contre nos unités, notamment le 10e bataillon d'intervention rapide. Hein? Les hommes du 10e bataillon ayant appris l'information d'une embuscade sur leur itinéraire vont enfourcher leurs engins et foncer vers l'ennemi pour un contact imminent. Les vecteurs aériens sont alertés du renseignement et foncent dans la zone. Effectivement, ils aperçoivent les criminels en train de pulluler dans la zone en vue de mettre en place le dispositif d'embuscade. Ah bon? L'objectif, certainement, interdit la vallée à nos vaillants combattants. Les hommes du bataillon supplient les combattants du ciel de ne pas engager le combat sans eux et se dépêchent vers les lieux. Hein? Est-ce que vous avez entendu la partie la même? Est-ce que vous entendez la partie la même? Ça veut dire, les gens qui pilotent les drones là, attendez, non, parce qu'il faut qu'on explique la partie là, c'est trop doux. Vous devez comprendre la partie, chers camarades. Les Burkinabés qui pilotent les drones là, ils ont été alertés, on leur a donné les coordonnées
C'est-à-dire l'adresse, si vous voulez l'adresse. Mais comme c'est dans la brousse, ce n'est pas adressé, c'est des coordonnées. Hein? Voilà, centre nord, degré 58, 2 points, centre sud, et puis mettre dans les drones, et puis poum, ils s'en vont. Donc quand ils envoient les coordonnées, comme c'est un peu loin, les drones sont en train de voler pour aller en direction. Oh, les gens, le 10e bataillon, brigade d'intervention rapide, 10e bataillon. 10e bataillon, là, que les terreurs viennent attaquer, là, eux, ils sont bien sur le lieu. Donc, vous voyez, dans ce qu'il appelle les combattants du ciel, moi, mais je n'aime pas trop ce nom-là, c'est trop, ça fait à peu près comme religion, hein, combattant du ciel, comme les anges, mais c'est pas grave. Voilà, si c'est moi, j'allais appeler ça drone, tout court, les drones, parce que ça sonne fort, et puis ça casquait. Voilà, ne dis pas combattant du ciel. Comme bienvenue ton soir, il me regarde, parce que pour ceux qui ont remarqué, il ne mettait pas les dates. Mais j'ai fait plus de 10 vidéos où je l'interpellais. Il faut mettre les dates. Parce que quand il dit ce jour, on ne sait pas c'est quel jour. Donc il faut mettre les dates. Depuis plus de 2 mois, il met maintenant les dates. Même dans cette vidéo, il a dit ce jour, 20 février 2023, 24. Vous voyez, donc il me suit. Donc je vais dire à mon frère, je ne sais pas s'il est plus grand que moi, mais c'est moi aussi plus grand que lui, mais c'est que je suis mon frère. Il ne faut plus dire les combattants du ciel. C'est trop religieux, c'est trop. Il faut dire les drones. Ou bien il faut utiliser mon mot. Ça fait quoi? Faut me donner nom aussi, Adama. Faut dire la dronistification. C'est tout. Faut dire la dronistification. Faut dire l'effet dronistification. Se dirige vers eux. Voilà. Faut utiliser mon mot. Si c'est le mot drone là que tu n'aimes pas, faut dire la dronistification. Mais faut dire bayaï. Faut dire douille. Ça, c'est moi qui ai créé ça. Voilà. Faut dire douille. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les commandants du ciel, ou bien les drones, ceux qui pilotent là, ils ont appelé les éléments de la bille. 10e brigade, brigade numéro 10. Et ils ont dit, pardonnez, attendez-nous, on va venir, on va les frapper ensemble. Non, c'est trop doux. Non, c'est trop intéressant. Ils disent, non, pardonnez, ne faites pas ça sans nous. Non, 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 pardonnez, ne les bamougou, c'est pas sans nous. Nous, on veut être dans le ciel. Pendant que vous mettez à terre, nous, on va mettre sur les têtes. C'est ce qui vient venir, ton soeur vient d'expliquer. Non, mettez le cœur, Jacques Cabral, je suis trop content. Je suis content jusqu'à il y a honte même de regarder la caméra. Mettez le cœur. Bienvenue, ton soeur. Faut laisser combattant du ciel là. Faut chercher un autre mot, pardon. Si tu m'écoutes là, faut chercher un autre mot. Combattant du ciel là, ça fait trop. Tu vois, non, alléluia, amen. Cherche un autre mot. Ici, on n'est pas à l'église ni à la mosquée. C'est à la guerre, à la guerre. Voilà. Faut pas caresser les choses. Faut dire drone. C'est tout. Faut dire drone. Aïe, quelle affaire. Il y a ça qui m'écoute, il va mettre son application. On va écouter ici, donc écouter la partie là. Ils sont alertés du renseignement et foncent dans la zone. Effectivement, ils aperçoivent les criminels en train de pulluler dans la zone en vue de mettre en place le dispositif d'embuscade. Mm-hmm. Objectif certainement, interdit la vallée à nos vaillants combattants. Les hommes du bataillon supplient les combattants du ciel de ne pas engager le combat sans eux. Ah, donc j'ai fait l'inverse. Donc ce n'est pas les drones qu'on supplie parce que le drone est plus rapide que les hommes à terre. Donc les drones étaient déjà arrivés. Donc c'est les bataillons là qu'on dit pardonnez, attendez, nous on va venir. Quand vous mettez droui, quand ils se dispersent, nous on va les neutraliser. Donc c'est-à-dire, il y a supplication entre eux, les amis, ils se supplient, pardonnez, partez pas sans nous. C'est trop doux. Non, c'est trop doux, cher camarade. Il n'y a plus coupé. Il n'y a plus coupé. C'est la patrie. Il voulait vous faire remarquer. Voilà, c'est trop doux. On continue. D'embuscade. Objectif certainement, interdit la vallée à nos vaillants combattants. Les hommes du bataillon supplient les combattants du ciel de ne pas engager le combat sans eux et se dépêchent vers les lieux. Les criminels évacuent leurs biens précieux de leur base vers le nord. Le bétail volé se prépare à l'affrontement. Décidément, c'est leur terrain et ils ne comptent pas quitter. Un bon? Après évacuation du bétail, ils sont prêts et attendent nos vaillants combattants. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Ils seront dronistifiés tout à l'heure. Enfin, le pire arrive à leur niveau et le combat de titans s'engage immédiatement. Hein? Des centaines de terroristes face à eux. Chien. Et ça crache le feu. Le pire supplie les combattants du ciel de les laisser dérouler la manœuvre. Ah bon? Ouais, les Burkinabés ont confiance en eux. Jusqu'à ils n'ont même plus besoin de drones. Wallahi bilay ninissant. Ah, le combat des titans.
L'ennemi engage un combat frontal en masse et prend un feu nourri sous le regard des vecteurs aériens. Hein? C'est-à-dire les drones sont là et puis le combat se déroule. Sans les drones d'abord. Adama. Non, les Burkinabés sont forts. Ouais, ouais. L'ennemi tire de côté ses morts mais tient sa position. Et puis les drones les assistent. Non, je suis fin. Je suis mal fin même, les gars. L'ennemi renforce sa ligne dans le combat frontal malgré ses pertes. Mais l'occasion est belle pour les vecteurs aériens qui vont demander la permission au pays de rentrer en action. Regardez-moi ça. Un missile va fendre le ciel et frapper l'ennemi en plein cœur de son dispositif. Douille. Les drones demandent pardon pour intervenir. Adama. Non, c'est trop doux. Là, ils sont dans les fuites. Les maudits sont dans les fuites. Les gars, vous ne mettez pas le cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Mettez le cœur. Ils ont mis douille dans la tête là. Le maudit comme ça. Là, ils sont dans les fuites. Ils sont dans les fuites. Les maudits sont dans les fuites. Un seul missile, ils sont désemparés. Aïe, bienvenue ton soir, il parle plus, hein. Le combat fait rage. Même bienvenue ton soir reçoit le combat dans les studios. De reculer mais continue le combat. Un bon? Un deuxième missile va les frapper dans leur repli vers l'autre rive. Douille. Vous n'avez rien compris encore. Il fuit, il va où? Il va où? Le salaud, il va où? Il fuit. Il fuit. Oui, le salaud. C'est la débandade dans les rangs ennemis. Ça fuit, ça fuit, ça fuit. Ils se mettent au sérieux dans la course pour fuir. N'oublie les pourchasses. Ah, ils sont dans les fuites. Les éléments du BIR investissent le pont et les bases ennemies autour. Ils prennent le matériel encore utilisable et achèvent leur mission. Dans la soirée aux environs de 17h, une mission de reconnaissance va revenir sur les lieux et voir l'étendue des dégâts. Ouais, ils ont été framponnés, chers camarades. Ils ont été bastonnés. Les combattants du ciel les observent et décident de leur donner un message. Un missile va s'abattre sur eux dans la reconnaissance. Douille. Ils sont venus en reconnaissance. Les missiles les ont reconnus. Ils sont venus en reconnaissance. Les missiles les ont reconnus. Vos maudits aplocos placabeurs. Les criminels évacuent leurs blessés en toute urgence vers un bâtiment d'un village au nord de la position qui leur sert certainement d'infirmerie. Ah bon? Les combattants du ciel les regardent, puis une fois dans le bâtiment, ils sont foudroyés. Ah! Oui! Aucun retranchement aujourd'hui. Vous êtes pourchassés même. Ah! On se cache pas là. En guerre, on se cache pas. On se bamboubou. Aucun mouvement autour. Le combat fut intense. La raclée est sans pareil. Ah, ouais. Les opérations se poursuivent, bien sûr. Se poursuivent. Aïe, chers camarades, non, mettez le cœur, mettez le. Pourquoi vous ne mettez pas le cœur même? Vous êtes 2100 personnes, vous ne mettez pas le cœur. Pompez le cœur, chers camarades. Je vois pas de cœur, oh, je vois pas de cœur, ça me fait bizarre. Regardez, vous êtes là, mais je vois pas de cœur. Regardez, il y a pas de cœur, hein. Je vois 2100 personnes.
Mais il n'y a pas de cœur. Regardez, les cœurs ne montent pas. Mettez les cœurs, chers camarades. Pompez les cœurs, chers camarades. Pompez les cœurs, chers camarades. Ah, il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi ils sont têtus comme ça? C'est ça. C'est-à-dire, on les a bamougou, hein. Ils ont fui. Quelques heures plus tard, ils reviennent sur les lieux pour voir, pour faire les reconnaissances. Tu vois, et les drones ont dit, on est encore là. Parce que je vous avais dit ça un jour, et on m'a dit, non, faut pas dire le secret des gens, faut pas dire leur secret. Quand les gens frappent, douille là. Ils sont là pendant minimum 5 heures dans les airs, et puis ils observent. Ouais, ah, mais oui, c'est comme ça. Hein. Je pense que les drones le savent, mais ils font exprès. Ils vont jamais mettre douille, et puis ils vont repartir à la base. Jamais. Jamais. Quand ils frappent là, ils sont là au moins pendant 5 heures, ils regardent. Donc les gens sont venus en reconnaissance. Ils pensent qu'ils sont partis. Et puis les drones ont envoyé un message pour dire on est encore là, hein. Douille. Et puis maintenant, il n'y a plus de mouvement. Donc vous allez voir que les drones ont surveillé pendant des heures. Et puis il n'y a plus de mouvement. Personne ne bouge. Ceux qui sont morts, ceux qui sont blessés, ils sont couchés, ils ne font plus de mouvement pour que les drones aillent chez eux. Donc quand ils ont vu que. Quand ils font du mouvement, le drone est toujours là. Donc ils ont fait des heures sans bouger. Et quand il n'y avait plus de mouvement, les drones ont pris leur position et ils sont repartis à Ouagadougou. Ils sont repartis à la base. Et les opérations se poursuivent. Vous voyez? Donc ils ont tout. Quand vous regardez bien la vidéo, au début, ils étaient nombreux. Tous ceux-là ont été neutralisés. Et voilà ce que les drones ont fait. Quand ils ont mis deuxième douille, reconnaissance, et puis ils sont partis à les blessés, le drone les a entendus, ils sont rentrés dans une maisonnette. Avec les blessés, eux-mêmes, ils sont rentrés là-bas pour pouvoir se soigner. Ah, c'est mal connaître. Le missile a fait douille sur le bâtiment, chers camarades. Bravo. Bravo à l'armée du Burkina Faso, chers camarades. Voilà. Et ça, c'est le combat de l'AES. Toute la rage de la CEDEAO, mettez sur les terreaux. C'est de ça qu'il s'agit. Toute la rage de la CEDEAO, mettez sur les terreaux, chers camarades. Merci au VDP, merci à l'armée burkinabé et merci au capitaine Ibrahim Traoré pour ce combat de fierté que vous faites contre ces terreaux qui viennent terroriser les gens, ses camarades. Continuez comme ça. L'Afrique vous soutient, Herman le Patriote vous soutient et l'AES vous soutient. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers camarades, d'avoir regardé ce direct. Merci d'avoir été nombreux dans ce direct. Que Dieu vous bénisse et on se prend demain pour la suite des événements. Voilà, les événements se poursuivent et les opérations vont toujours se poursuivre, chers camarades. Et puis la CEDEAO est en train de pleurer. Hein. La CEDEAO pleure. Elle veut enlever les sanctions. Quand elle avait les sanctions, on vous a oublié même. Les Africains ont oublié ce qu'on appelle CEDEAO. On vous a oublié. Donc votre affaire des sanctions là, prenez-vous de vous puger avec ça. Voilà, on s'en fout de vos sanctions. On ne revient plus dans la CEDEAO. C'est fini. Nous, on est concentrés dans un vrai combat. On veut gagner CEDEAO. On ne revient plus dans vos CEDEAO de merde là. On ne vient plus là-bas. Parce que vous savez que si on finit avec CEDEAO, on a fini avec l'armée française. On a fini avec CEDEAO. Mais il reste quoi? Ah, il reste le franc CFA. Tout à l'heure, j'ai fait un petit direct et je vous ai dit que le Naira a commencé à se dévaluer. C'est le franc CFA qui va se dévaluer bientôt. Parce qu'il y a 70 millions d'Africains qui vont plus utiliser le franc CFA comme monnaie principale. Vous allez prendre ici. 90 millions qui vont plus utiliser le franc CFA très bientôt. Dans les jours, dans les mois à venir ou dans les années à venir, vous allez voir, ils vont vous surprendre la nouvelle. Voilà. Le franc CFA ne sera plus une monnaie au Mali, au Burkina et au Niger. Vous avez perdu la Guinée-Conakry, ça fait des siècles. C'est parce qu'ils ont un mauvais dirigeant. Sinon, la Guinée pourrait se réunir avec les trois pays pour faire quatre pays. Comme ça, on allait dépasser les 80 millions d'habitants qui ne consomment pas cette monnaie-là pour faire notre propre monnaie. Donc, c'est ça. La bataille future. Pour l'instant, on avait nos terreaux et puis votre CEDEAO, on s'en bat les couilles. On s'en fout. Dans ce cas, vous avez envoyé beaucoup de terreaux. Ramassez toutes vos villes, là, tous vos villages et puis envoyez. Les Burkinabés vous attendent de pied ferme. Ah, je sais même, les gars demandent pardon. Pardonnez, n'intervenez pas sans nous. Attendez-nous. Ouais, les gens sont enragés même dans cette histoire-là. Wallahi bilahi. Merci, chers camarades, d'avoir suivi ce direct. Que Dieu bénisse. À bientôt. Herman le Patriote.